Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit panier de Too Good To Go. Donc, Too Good To Go, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, c'est une appli où vous pouvez vous inscrire et on vous demande quelques petits renseignements, hein, comme votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Et à ce moment-là, en s'inscrivant sur cette appli, vous pouvez bénéficier de ces petits paniers de Too Good To Go. Alors, ça commence à partir de 6,99 € et le prix maximum, ça doit être entre 12 et 13 €. Hein. Donc, vous ne savez jamais qu'est-ce qu'il y a dans votre panier. C'est ce que mon mari m'a ramené aujourd'hui pour 6,99 €. Donc, ça fait un moment que je n'avais pas fait Too Good To Go. Mais là, comme ça va me permettre de finir ma semaine tranquillou. Alors, ce qu'il y avait dans le panier, c'est des yaourts à la grecque au lit de mur. Donc, on connaît les yaourts à la grecque, mais au lit de mur, non. On ne sait pas si c'est bon. Hein. Bon, c'est classé C, ce n'est pas formidable, mais bon, on va goûter ça. Ensuite, il y avait de Saint-Hubert. Il y avait du bio. Alors, c'est quoi ça? C'est de la margarine ou c'est du beurre? Je sais pas trop. C'est Saint-Hubert bio, 100% végétal. Donc, je pense que c'est de la margarine. Hein. Donc, mon mari va consommer ce truc-là. Moi, je reste avec mon beurre président. C'est oméga 3. Donc, ça, il peut consommer ça aux petites tartines. Il verra bien. En tout cas, je lui laisse. Ensuite, il y avait un Saint-Nectaire comme ça. C'est un fromage. Il a de la cuisse, hein, même emballé. Donc, il y a de la cuisse. Ça veut dire que ça sent le fromage. Hein. Donc ça ne va pas m'arranger mon frigo. Je sens que je vais être obligée de mettre un truc en plus. Pour l'odeur, peut-être. Hein. Ensuite, il y avait du gouda. Donc ça tombe bien parce que j'en avais justement besoin. Donc du Gouda, ah celui-là aussi, hein. Mais je crois que le Saint-Nectaire, c'est lui qui a dépassé l'odeur. Donc du Gouda. Ensuite, il y avait du Guatamoule. C'est du Guatamoule. Guacamole, quoi, camole, ah guacamole, guacamole, c'est du caviar d'avocat. Moi, j'aime bien l'avocat, mais en grabouillé comme ça, écrabouillé, je ne sais pas si c'est bon. Mais en tout cas, c'est pas du guacamole. C'était ça, c'est bon. Alors, ensuite, moi j'ai chaud. Hein. Ensuite. Il y avait un panier de Saint-Éloi comme ça, des jeunes pousses corsées. Alors là, ça doit être piquant peut-être la langue, je ne sais pas. C'est quoi comme plante qu'il y a dedans? C'est de la roquette, de jeunes pousses de laitue verte, du red char. Je ne sais pas ce que c'est. Et de la pousse de laitue rouge. Ça doit peut-être arracher la bouche. Je sais pas, mais en tout cas, mon mari va goûter ça. Lui, il aime bien tout ce qui est un petit peu relevé. C'est pour lui. Moi, je garde ma laitue. Hein. Je reste tranquille. Ensuite, de la marque Le Gaulois, comme ça, il y avait deux escalopes de dinde. Donc, bon, la date, c'est des dates courtes. Hein, classé A. Deux escalopes de volaille de dinde. Donc, ça. C'est pour les enfants parce qu'ils aiment bien ça. Et il y avait d'autres deux escalopes fines de dinde fermier. De louer. Voilà. Donc deux escalopes comme ça fermier de louer de la Belle Rouge. Donc ça, je vais les dépacter et puis je vais les mettre au congélateur, même s'ils vont les consommer demain. Et puis de la marque Charal. Il y avait des petites boulettes, family, des 18 petites boulettes comme ça que je vais mettre à poêler. Donc, c'est déjà pré-cuit, je suppose, hein, toujours meilleur, même bien cuit. Donc, ça doit être des petites boulettes. Il faut que je regarde, c'est classé C, mais ça peut être une bonne alternative avec
comment dire, avec des spaghettis. Voilà, donc c'était vraiment un tout petit panier, hein, pour 6,99 €. Faut pas s'attendre un petit peu plus. Par contre, si vous montez jusqu'à 12 ou 13 €, là vous avez un sacré panier. Hein. Donc après, c'est à vous de voir sur cette appli. Donc, eh ben, les petites courses sont terminées. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner. Hein. Ça me fait énormément plaisir. Puis vous découvrez des petites choses nouvelles sur ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une belle après-midi. Surtout, n'hésitez pas de boire de l'eau parce qu'il fait très très chaud. Hein. Et on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous et prenez bien soin de vous.